Bonjour et bienvenue à ce 84e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo prise à Georgetown, c'est en Malaisie, où il y a pas mal d'art de rue. En fait, ce vélo-là, il fait partie d'une œuvre qui s'appelle ici Des enfants sur une bicyclette. Et donc, il y a un mélange de dessins et de choses physiques. Évidemment, tout le monde veut se faire prendre en photo. Donc j'ai attendu qu'il y en ait une un peu plus mignonne qui passe et j'ai donc pris cette photo et je vous propose de travailler dessus. Alors ce qu'on va pas, on va pas faire énormément de choses, on va essayer d'éclaircir un peu la partie visage là. On va recadrer donc ce poteau là devrait partir et puis on essaiera de faire quelque chose pour ses genoux parce qu'elle a les genoux un peu abîmés. Alors je vous propose d'y aller, on va déjà ici redresser quelque chose comme ça, voilà. On va la descendre un peu là, on va virer un peu par là. Alors, je dois avoir le cadenas ouvert. Je vais le fermer, je vais le mettre en original pour garder le truc d'origine. Voilà, quelque chose comme ça me va pas mal. Et descendre un peu. Voilà, donc ça, c'est juste ce qui est recadrage. Ensuite, on mettra un peu de vignettage. Je pense que ça lui fera pas de mal. On va le mettre tout de suite ici pour recentrer sur le personnage. Ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a quelque chose d'assez monochrome, et là j'avais cette fille en rouge qui était là, c'est pour ça que j'ai pris cette photo. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un filtre radial, ici, là, ici, vous voyez, on va monter les ombres, ici, au niveau de son visage, vous voyez, son visage s'éclaircit un peu. Ensuite, ça, je vais le dupliquer et je vais le mettre là au niveau de l'épaule, quelque chose comme ça, pour éclaircir un peu plus au niveau de son épaule. Et ensuite, je vais en prendre un plus grand ici pour m'occuper de toute cette partie-là encore un peu, en montant un peu l'expo. Alors, vous voyez, là, il n'y a pas d'expo et là, je monte un peu l'expo. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai réussi à avoir un visage qui est un peu mieux. Ensuite, on voit qu'au niveau des genoux, elle a les genoux assez abîmés. Donc, on va prendre ici la correction des défauts. Hop, elle a une petite chose là. Ensuite, on a ici cette zone-là qui est un peu trop sombre. On va prendre une texture qui se trouve dans ces zones-là. C'est pas mal. Ici également, elle a un petit truc. Ensuite, elle a une cicatrice et elle devait jouer quand elle était petite, elle est tombée, elle s'est fait une cicatrice. Voilà, quelque chose comme ça. C'est pas mal. Et ensuite, il y a cette tache là que j'aime pas trop, qui est un peu trop sombre. Donc ça, je vais prendre un filtre ici. Alors, je vais voir, est-ce que je joue un peu sur les ombres, mais aussi un peu sur l'exposition. Voilà, je vais me recentrer là. Je vais baisser un peu la saturation de cette zone. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, si je fais majuscule S là, qu'on voit, vous voyez, voilà, j'ai quand même amélioré un peu cette partie-là pour avoir des genoux un peu moins abîmés. Éventuellement, je pense qu'on peut ensuite ici harmoniser un peu cette zone-là comme ça, avec une texture pas trop comme ça. Et on peut. Tant qu'à faire, allez, on va voir si je fais ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est pas mal. Très bien. Voilà, j'ai amélioré un peu au niveau de ses genoux. Et ils sont d'ailleurs peut-être un. Tout ça est peut-être un peu coloré par rapport au reste. Donc je vais me mettre là, ici. Alors, hop là, et je vais baisser la saturation un peu de cette zone-là. Voilà, pour que ça soit un peu moins coloré au niveau des jambes. Ben écoutez, j'aurais tendance à dire que j'ai fini, hein. Le titre des vidéos, c'est Retouche Express. Je vais pas aller beaucoup plus loin. Je pourrais resserrer peut-être un peu quand même le cadrage. Quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Et ben là, c'est version finale. Ça me plaît pas mal. En plus, là, il y a poignée qui est rouge. C'est assez sympathique avec la robe rouge à côté. Donc un petit majuscule S. Ça, c'était avant, ça, c'est après. Vous voyez, on a au niveau des genoux, on a amélioré, on a retiré un peu de la couleur là au niveau des jambes, on a éclairci un peu le truc.
Je n'ai même pas touché au curseur clarté ou au toucheur vibrance. Un peu de vibrance, c'est pas mal. Un peu de vibrance, c'est pas mal. Clarté, je suis pas sûr. Ça peut devenir rapidement trop dur. Oui, ça devient rapidement trop dur, mais juste un peu comme ça. Voilà, allez, on refait un majuscule S. Avant, après. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir. Thank you.